Salut les loulous, c'est Soma. On se retrouve aujourd'hui pour le 53e épisode du Let's Play sur Maitamat Portia. Donc aujourd'hui, on va continuer notre notre avancée hein, tranquillement. On avait réussi la dernière fois à poser un premier, enfin à fabriquer un premier bus. On doit en faire un second là, qui est prêt. Hein, on n'a plus qu'à le rendre à Antoine. Alors un truc de la mairie. Aurais-tu une minute ou deux à m'accorder? J'ai une toute nouvelle commande qui conviendrait parfaitement à tes talents pour la construction. Tu vas être sur un petit nuage. N'hésite pas à me rendre visite dès que possible. Le maire. Ok. Alors j'ai eu les retours de la vidéo du lundi 9 juillet. Par rapport à certaines choses, notamment des retours de Mick. Et on va tester un peu ses idées dans ce premier jour. Enfin en tout cas dans la vidéo. Donc je vais pas... Si je vais faire les câlins pour qu'ils soient à fond. On va déjà tester la revente d'animaux, voir combien s'achète un mouton ou une vache bébé. Et combien nous, une fois adultes, on peut la revendre pour voir si c'est on fait un bon petit bénéf ou pas. Par rapport après en plus aussi au temps qu'il faut pour les élever. On testera aussi le réglage du bois. Allez vérifier si je suis bien à fond sur le bois normal. Et voir si on peut pas augmenter via paiement la quantité qu'on peut récupérer tous les jours. Donc ça voilà, c'est une autre de ses idées. Et puis ce sera déjà pas mal, je pense. Donc, on va prendre notre petit cheval. Hop. Oula. On va aller faire le bisou à Émilie. On va aller rendre notre commission, prendre une nouvelle, enfin tout ça, les trucs habituels, vous connaissez. On va regarder aussi s'il n'y a rien qui aurait map. Pop sur la map et si on a... donc ça c'est la quête Folie des Montgolfières. Oh, ça doit être ce que nous demande le maire, enfin de venir lui parler. Alors on va aller voir vite fait la ferme des arbres. Alors... C'est ici qu'on peut interagir. Alors, augmenter la quantité, ajuster le type. Ah, la production augmente de 100% pour 10 000. Allez. Voilà, on verra comme ça ce qu'on récupère demain. Et on réaugmentera possiblement si c'est faisable. Chose que j'ai pas vérifié par contre, c'est si j'étais bien à fond sur le bois normal. Mais je pense que oui. Alors, adjust type. Donc je suis en max comme ça. Et au lieu d'avoir 100, on aura 200. Bon, ça a doublé hein, les quantités. Et est-ce qu'on peut le réaugmenter encore? Pour 40 000. On va pas le faire de suite hein, parce que ça va bousiller un peu tout, quand même toutes nos économies. Mais on sait qu'on peut encore le faire si besoin. Alors après, on va aller rendre notre commission. En prendre une nouvelle. Ah mais c'est la fête où je... c'est pas la fête... Ah non, c'est demain. Et je vois qu'il y a déjà les ballons, tout ça. C'est pour ça que je me posais la question. C'est demain. Alors ça va nous rapporter un max encore. Voilà, 10 000 pièces d'or, 5 000 d'XP et 200 de réputation. Ça, c'est top. Deux petites sacoches. 14 cuirs. 5 arroseurs. On va tenter les sacoches. Juste vérifier où j'en suis par rapport à Higgins. J'ai dû lui mettre un... Ouais. Je lui ai mis 1200 dans la vue grâce à ces deux contrats là de fabrication de bus. On va aller voir le maire. On va jouer aux fléchettes. Et ensuite on retournera à Orange de Sophie. Enfin en l'occurrence c'est pas Sophie, c'est le vieux monsieur là pour voir le prix des animaux.
Je rappelle aussi, parce qu'il m'en a parlé, que l'idée du poulailler est toujours valable, hein. C'est pas parce que je ne l'ai pas encore construit que je le ferai pas. Alors, ah, tu as reçu mon courrier. Bon, tu as tout. Tu as. Non. Tout ce que tu as accompli est tellement surprenant, surtout avec toutes ces histoires dans le désert, que je ne peux m'empêcher de t'offrir l'intégralité de ce projet. Ce sera la cerise sur le gâteau de Portia. Pas d'affrontement dangereux, je l'espère, ni de réparation d'un système cassé. C'est tout bonnement une aubaine pour la ville. Quel est ce projet? Le parc à Montgolfière de Portia. Je veux construire cette attraction à Portia depuis ma première promenade en Montgolfière pendant la guerre. Il y a de cela des décennies. La vue du haut de la Montgolfière est merveilleuse. Je parie que les habitants de Portia, les touristes vont adorer. Et j'ai enfin trouvé le financement. Si mes souvenirs sont bons, ce projet se divisera en deux phases. D'abord, tu devras construire une plateforme d'atterrissage et des montgolfières. Puis, il faudra les installer au bon endroit. Ça a l'air amusant, non? Ça te dit? J'accepte. Ça marche. J'ai fait de la place autour de la mare aux canards derrière le ranch de McDonald's. Tu peux y installer la plateforme d'atterrissage. J'en ai aussi discuté avec Petra. Elle affirme que la construction d'une montgolfière et d'une plateforme est possible, mais que la recherche pourrait prendre du temps. Tu devrais aller lui parler. Bref, d'autres affaires m'attendent. Fais attention et amuse-toi bien. Rien ne presse, si ce n'est mon impatience de voir cette idée prendre son envol. Ok! Donc on a à nouveau une quête principale, où on va installer cette fameuse montgolfière qui est là depuis un moment, hein, au niveau de des ajouts qui ont été faits dans les différents patchs. Donc on va jouer aux fléchettes. Et on va aller voir Petra au centre de recherche. On verra les animaux juste après, du coup. Ça décale un peu. Voilà. Ouf. Oula! On va refaire un. Hein. Ok. Allez, ça c'est bon. En direction maintenant le centre de recherche. Alors mon cheval est là. Il a voulu rentrer, hein. Quand il est en suivi, il est vraiment en suivi, hein. Hop. Alors Petra est là. Tu es là pour les diagrammes? J'ai ce qu'il te faut. Tu auras besoin d'une nacelle pour une ou deux personnes, quelque chose pour propulser la montgolfière et du tissu pour créer le ballon. Pour rechercher les détails, il nous faudra 5 disques de données. C'est parti, je les ai. Merveilleux, une analyse des données risque de prendre un peu de temps, je te contacterai dès qu'on aura trouvé quelque chose. Ok. Donc maintenant, on va aller à la ferme McDonald's. Allez, c'est parti. On va aller voir le prix des animaux. Alors, un mouton coûte. Alors, je vais me noter ça. Le mouton, c'est 152. Et la vache, c'est 203. Ok. Donc, maintenant, si je retourne à la maison. D'accord. On va voir combien on peut revendre. Nos bêtes, une fois adultes. Attends, bouge pas toi, sinon tu vas m'embêter. Alors, un mouton. Oula. 31 pièces d'or. C'est une blague. Et 48. Bon, bah le calcul est vite fait, hein, y a pas, on les revend pas. On va les garder à nous faire ce qu'ils nous font tous les jours. C'est ouais, série un peu ridicule en fait. Bon, bah l'idée était pas en mauvaise en soi, d'essayer de faire du bénéfice là-dessus, mais ça ne fonctionne pas du tout. Toi, tu vas me faire du charbon. Et puis on va se refaire un bon gros stock de bois là, parce que là, en attendant d'en récupérer un peu plus tous les jours. Tac.
Hop, ça, ça va là. Ça, ici. Qu'est-ce qu'on a là? On a du cuir. C'est vrai qu'on avait relancé de la production de cuir. J'ai pas de place pour ça. C'est quoi ça? Fourrure délicate. Les épines, je vais les bouger de place. J'ai ça, j'ai ça. Voilà, ça on revendra. Ok. Allez, opération bois. C'est parti. On n'a rien de spécial à faire de toute façon. Ah si, j'ai ma commission. Alors attendez, on va faire d'abord la commission. J'ai un peu zappé la commission quotidienne. Des petites sacoches. Et après on fera... Alors, je crois que je m'étais dit de plus prendre ça, mais voilà, parce qu'il faut du cuir de qualité, il m'en faut 9. Ah, voilà, c'est à cause de ça, mince. J'en ai pas en stock des petites sacoches à tout hasard. C'est quoi ça? Non. Ok, donc là, les loulous, on va prendre le... Bon, finalement, je change mes plans. Faut que j'aille taper des mobs qui sont ici. Et il faut que j'arrive à étaler cette commission sur aujourd'hui et demain en allant farmer deux fois les mobs par ici. Ça va être compliqué. Surtout ne plus reprendre cette quête où il faut des fourrures délicates et qu'on n'en a pas du tout en fait. Voilà. Parce qu'en plus on n'en gagne pas à chaque fois de la fourrure délicate sur ces mobs. Par là, non. Essayez de faire d'une pierre deux coups, hein. Alors toi. Toi. Là ici. Je te veux que du bien, t'inquiète pas. Je peux pas. D'accord. Je peux. Ah mais il est pas mort. Crever, ouais. Ok. Il y en a un autre qui repop là-bas. Du papaye bambou. Tiens, ça me parle pas, ça, comme... comme combo. Pas de bleu par là. Voilà. Allez, on va aller taper les mobs là-bas.
Ok. J'en vois pas d'autres, on va remonter ici. C'est quoi ça qui me tape là? Oh, spécial! Waouh! M'a donné un verre correcteur et puis le fameux tissu spécial. Oh, il était rigolo lui. Ok, des bleus. Est-ce qu'il y a encore des bleus par là-bas? Non. On va retourner près de l'entrée de la grotte. Et on pourrait récupérer ce petit coffre là, à la rigueur, vite fait. Et oui, c'est vrai que du coup, il y a tous les coffres qui ont repop aussi ici. On va récupérer celui-là. Ça, ça peut se revendre tout ça. Hein. Pour des quêtes, hein. Pour des quêtes aussi. Alors là, si je me rappelle bien, on monte ici. Voilà, on reste de ce côté. Voilà. Du marbre. Là, normalement, on en a un qui a potentiellement repop de coffre là-haut. Alors, attendez, on va tuer ça. Il y en a un aussi qui a pu repop là, mais j'ai déjà dû le prendre. Ouais, ici, je l'ai déjà pris. Et normalement, il y en a un au-dessus là-haut. Alors là, c'était un peu particulier à la technique pour monter. Hein. Voilà, c'est un petit peu particulier, comme je vous disais. Hein. Mais ça marche. Et le coffre, il est là. Voilà. Une lumière murale, tiens. J'ai pas souvenir d'avoir eu ça la première fois. Allez, c'est encore repop, les mobs. Enfin, en tout cas, il y en a un là. On peut pousser jusqu'à épuisement, hein, tant que ça repop, on va tuer. Hein. Oh, y a un pambat qui nous attaque. Voilà. Ok, on va retourner par là. Bon, à première vue, ça n'a pas repop. Donc, on va retourner à l'atelier. Puis, il faudra que je revienne demain, refaire la même chose. Ah, mince! Bon, bah, on va continuer à tuer quelques bricoles. Bah, j'en vois un bleu là-bas, mais... Tac, tac, tac. Ah, il est là. Il y a beaucoup plus de gros comme ça que... Ah, hop. Ok. Faire un peu de bois. Voilà. Toi, viens ici. Ok. Ça, c'est pas un arbre. On va taper celui-là.
Voilà. Bon, bah, c'est pas mal. Deux heures et demie, on va tomber de fatigue, hein. Et on passera à la journée suivante. Allez, on va s'arrêter là. Tant de pouvoir tout ramasser, c'est bon. Nickel, il est tard, tu devrais te reposer. Bah oui, bah c'est ce qu'on fait. Regardez, on se repose. Allez, on est reparti les loulous. On va essayer de lancer du coup du cuir là de qualité qu'il nous faut pour les sacoches. Hop, on a les résultats, je pense, de centre de recherche. Voilà, merci pour les 18 données, j'ai une bonne nouvelle. Nous avons terminé nos recherches, j'ai envoyé un diagramme d'assemblage pour la montgolfière, la plateforme d'atterrissage. Jetzy, un œil. Merci bien. Du coup, on va récupérer tout ça. On va relancer bien sûr des fabrications. Maintenant qu'on a un petit peu de bois. Voilà. Nickel. Ici, on va refresh parce que ça s'est arrêté. Tac. Et ici. Voilà. Je sais pas s'il m'en reste beaucoup des pierres de puissance, enfin des pierres de pouvoir renforcées, mais j'en ai bien dépensé là. Donc on va ranger tout ça. 2 heures. Ah oui, c'est la célébration aujourd'hui. Faut pas que je loupe ça. Ça, je pense que ça va aller là. On va faire ça. Clic droit, pardon. Voilà. Ici, on met ceci. Alors, regardez, on a 425 de bois. On n'est pas trop mal remonté. Voyons voir. On veut mettre ça, ça, ça. Ça. J'aurais pas le temps de faire grand chose en fait aujourd'hui avec la célébration. J'ai mal rangé ici. Je pense qu'on va s'y rendre de suite. Sinon on va louper le début. Le reste on rangera plus tard. Je m'occuperai des animaux plus tard. Faire un coucou à Emily. Quand même. Donc je rappelle, hein, la journée de la célébration, c'est voilà, c'est, il va y avoir, là voilà, elle est là-bas, la montgolfière, elle va lâcher des cadeaux, c'est les premiers qui arrivent à les ramasser, hein. Alors, je sais pas si c'est à 10h ou à 9h. Ouais, c'est à 10h. J'aurais pu continuer de faire 2-3 bricoles. Tant pis, tant pis, tant pis. Je sais même pas si ça vaut le coup de faire ça, en fait. De participer à ça. Bon, il y a toute la ville, hein, normalement. Ou pratiquement. Il n'y a pas Hack le robot. Il n'y a pas le nouveau frère là de la fratrie, celui qui est habillé en vert. Mais il y a pratiquement tout le monde. C'est qui ça? Ça c'est Mint, ok. Allez, ça va démarrer. La montgolfière elle est là.
Donc elle lâche des cadeaux et bah, il faut les ramasser. Voilà. Ah, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu non plus. Obtenir. Ok, j'ai eu du lait. C'est juste impossible en fait. Hop. Bah, il faut regarder, faut suivre le ballon en fait, hein. C'est la tête en l'air et dès qu'il lâche. Bon, j'ai déjà eu deux trucs, c'est pas mal. Ah, j'étais mal placé. Là, je l'ai eu. Je l'ai eu aussi. Voilà. Donc c'est ça tout le temps. Donc on l'avait déjà vu une fois, hein. Voilà. Plutôt pas mal là. Voilà, donc on surveille. Là, il va relâcher. Alors, je me rappelle, sur la première année, quand on l'avait fait, j'avais les sacs pleins, j'avais laissé des items par terre. Voilà. Ça, c'est pas mal. Oh, j'ai eu un coffre, je crois. Voilà. Viens ici. Ce qui est chiant, c'est que j'ai ma hache qui gêne un peu à la main. Allez, lâche des cadeaux. Ah! Oh, voilà, bah j'étais mauvais sur ce coup-là. C'est peut-être celui-là. Voilà, j'ai du poiscaille. Ah! J'avais le E, il m'a pas validé. Bon, allez, on va quand même revenir à nos moutons. On va retourner à notre atelier. Je vais faire deux jeux de fléchettes vite fait. Je vais pas faire l'event jusqu'au bout, hein, parce que ça va nous bouffer toute la journée sinon. Eh oui. Allez. On vient ici. Tac. Parfait. Ah, et j'ai loupé. On refait. Oh bah. Pas terrible, hein. Mais bon, ça ira. On a fait 12, 12 et 20. On a notre quantité journalière, on va dire, qui est de minimum 40. Deux parties parfaites. Alors. Pour nos fameuses sacoches. Donc il faut du cuir de qualité. Alors c'était ça qu'il fallait que je fasse. Cuir de qualité, je peux en faire 4. C'est tout. Alors ensuite, on va commencer à regarder la montgolfière. Donc il faut 3 montgolfières en tout et une plateforme d'atterrissage. Donc à commencer par la plateforme, ça paraîtrait le plus logique. Alors, plateforme à montgolfière, il faut deux charpentes, 8 tuyaux en bronze et un affichage qui doit pouvoir se faire. Donc, deux charpentes. Je vais relancer quelques tuyaux en bronze parce que je vais taper dans le stock du coup. Voyons voir mon stock de tuyaux. Ouais, ça va. Alors, est-ce que je relancerai pas ici? Bim. Allez. Voilà, la célébration est terminée. Alors, on va se faire. Bah, c'est simple, on va en faire. Allez, 10. Je vais relancer par contre ça. Voilà. Ensuite, on a dit qu'il nous fallait. Deux charpentes. Charpente, charpente. Et
Un truc d'affichage. Alors. Je sais pas trop où ça se craft. Non, c'est pas ça. Affichage. Il en faut un. Ok. Est-ce que j'ai pris les tuyaux? Oui. Donc, on peut lancer le projet de la plateforme. Ok, donc. Ça, c'est bon. Et les tuyaux. Ah, oh, ça va être sur le côté. Ok, donc, bah, ça, c'est fait. Ensuite. La montgolfière en elle-même. Alors, il nous faut. Donc il en faut 3. Donc il nous faut 3 ballons. Il va falloir des pigments. Ok, il va falloir 15 cordes. Et 3 nacelles en osier. Alors déjà, les cordes. On va commencer voir pour les cordes. Je suis pas sûr que ce soit ici. Non. Ben non, je suis bête. Les cordes, c'est là. Bon, mais là, j'ai mon cuir qui est en train de se faire. Est-ce que j'ai pas une machine équivalente à celle-là? Je crois pas. Ben non. Mince. Mince, mince, mince. Eh ben, les montgolfières vont attendre un peu. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Donc, 3 nacelles en osier et 3... Ok. Alors, est-ce que ça se fait ici, ça? Nacelle en osier. Ha! D'accord. On est mal barré. Ok, ok, ok. Et sinon, la montgolfière... Oh. Alors le problème c'est que tout se craft à la même machine quoi. Et source mixeur. Des fleurs arc-en-ciel. Oh là là, bah, je suis pas prêt de la faire la quête hein. Donc il va falloir que je cultive des fleurs arc-en-ciel. Donc des fleurs arc-en-ciel. Bon, 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 bah on est mal barré. Toi, tu vas venir ici avec nous. J'ai pas fait ça non plus. On va avoir un de ces boulots à nouveau. Je vous raconte pas. Là. Je vais redonner à manger à mon cheval. Puis on va aller voir chez mamie Sophie. Bah non, je voudrais le garder ça. 11 sur 30. Attends, je vais prendre de la corde. J'ai ça que je peux ranger là. Hop, je vais lui donner à manger de la corde parce que... Voilà. Allez, arc-en-ciel. Des graines arc-en-ciel, il me faut. J'espère qu'elle a ça, parce que... Sinon, j'irai voir à l'église. Alors, ça, c'est quoi? C'est du riz. Fruits, patates, citrouille, blé, laitue, coton, papaye, bambou. Non, elle a pas ça, hein. Bon. Je vais aller voir à la... À l'église. À la boutique de l'église. Je sais qu'ils ont quelques graines. Voilà.
Elle se pourrait passer. Alors. Fleur arc-en-ciel, voilà. Ah, mais il me faut quoi pour acheter ça? Qu'est-ce que c'est, ça? Des puces? Par contre, ça, je vais en acheter. Et il faut que j'aille chercher des puces silicone. Mince. Le problème, c'est le temps que je fasse l'aller-retour, j'aurai plus... ce sera fermé, quoi. Ce sera fermé. Mon cheval. Ouais, à mon avis. Des puces. Ça, on va le mettre là. Je crois que c'est des puces comme ça. Allez, allez, allez. Si elle ferme à 19h, c'est bon. Sinon, je vais dans l'os. Eh voilà, c'était 18h, comme par hasard. Enfin, c'est pas possible, quoi. J'ai pas de bol, franchement. Bon, bah, on va aller faire du cuir de qualité. Tous les marchands sont fermés. Toi, tu restes là. Je vais aller taper sur le peu de temps qui me reste aujourd'hui. Je vais aller taper du mob là pour faire des cuirs, hein, parce que vu les quantités de cuir de qualité qu'il me faut, et je connais que ceux-là, hein, qui m'en donnent. Donc on est reparti pour comment dire, pour essayer d'en faire le plus possible sur ces petites bêtes. Donc là, on fait de la fourrure délicate pour faire, pour craft ensuite le cuir de qualité. Allez. Bah, j'en ai 4 devant moi là. Donne-moi vos compos. Parfait. Ah, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus qu'à repop. Est-ce que j'irai chercher en attendant le coffre qui est de l'autre côté? Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais pas pouvoir remonter. Ah, quoique, si. Oh la loose. Je vais aller chercher le coffre qui est là-bas. En attendant que les mobs réapparaissent. Voilà. Puis en plus on en a un ici. Un autre là. Parfait. Est-ce qu'on peut passer ici? Je pense que oui. Nickel ça. Ah oui, vous voyez, il m'a pas, il me donne, là ça fait deux que je tue qui me donne pas de fourrure délicate en plus. Ils en donnent pas à tous les coups. Ça, c'est dommage parce que, bah, perd du temps. On perd du temps dans la récolte. Alors, il y a encore un coffre dans mes souvenirs. Qui est, je crois, accessible par là-bas. Voilà.
Ouais, il faut monter à cette tour si je me rappelle bien. Alors attendez, il fallait... Ah oui, mais ça c'était avant qu'il y ait ça. Maintenant, je sais pas en fait. Oh. Je sais pas s'il est toujours accessible ce coffre. Ça m'a pas l'air. Ils ont dû le bouger de place ou s'ils l'ont pas bougé, bah... On n'y accède plus quoi. Ah, il est là. Par contre, est-ce qu'on peut toujours... On peut toujours. Ok. Donc, les mobs bleus. Là, j'ai pas l'air d'avoir grand-chose. Ah, il y en a là. Tenez, on va faire ça. Alors, des mobs par là-bas, ça repop encore une fois. J'aurais perdu déjà une journée sur la commission quotidienne. Alors, il n'y a pas mort d'aube hein, par rapport à Higgins, loin de là. On a tellement d'avance maintenant que... Puis c'est le... Il y a le classement annuel, mensuel, et il y a le classement annuel. Sur l'annuel, je me fais pas trop de soucis. Sur le mensuel, bah, on a tellement d'avance aussi que je pense pas qu'on risque grand-chose. Alors. Est-ce qu'il y en a qui ont repop par là-bas? Pas du tout. Il est quelle heure? Ah bah il est 2 heures. Allez, j'en ai pas un petit là qui aurait repop dans un coin avant de repartir. J'en ai pas eu tant que ça hein, finalement des mobs bleus. Regardez combien j'ai eu de fourrure. C'est pas 13 hein, c'est pas énorme. J'aurais pu pas en avoir peut-être pas loin de la vingtaine s'ils m'en avaient tous donné. Mais malheureusement non. Le jeu en a décidé autrement. Allez, on va attendre de s'endormir une fois de plus tout seul. Et puis, bah, voilà quoi. Autant on a pu faire la plateforme super vite, la plateforme d'atterrissage, autant les trois montgolfières, ça va être coton. Ça va être très coton, parce que j'ai qu'une machine. Alors, je pense qu'il va falloir que je m'en recrafte une autre. Ça pourrait être un bon plan en fait. Ça pourrait être même un très bon plan. Non, il n'y a pas de courrier. Et on se calme. Alors là, j'ai les 3 de craft. Est-ce que je peux en lancer 3 de plus? Alors c'est pas suffisant, hein, encore une fois. Voilà. Voilà. J'ai donné à manger aussi à eux. Cumin, voilà, des cordes, ajouter. Alors, il faut que je relance toutes mes machines. Parce que bah ça crame plus. Là, on rangera je sais pas quand. Là, j'ai plus de charbon. Bah, là, il m'en manque plus que 3 à faire. On relancera du charbon ici. Les plaques, non. Alors, je veux juste regarder ça, ça s'appelle comment? C'est biseauteuse basique. Et j'ai pas une biseauteuse améliorée depuis le temps que je joue ici.
Bah si. Ah ouais, mais je peux faire que des trucs spéciaux ici en fait. Je peux pas faire... Attendez, hop. Biseauteuse basique. Biseauteuse sophistiquée. J'ai encore des plans manquants. Hein. Non, il n'y a pas d'autres biseauteuses, en tout cas pour le moment. Et eh bien, donc on va faire une... une biseauteuse normale. Voilà. Deux tuyaux en bronze et une dalle de marbre. Deux tuyaux en bronze et une dalle de marbre. Mince. Là. Et tuyaux en bronze, je les ai. Allez, on va installer ça. Vite, vite, vite. Non. Récupérer. Hop. Donc. Planche de rabotage. Bah ouais. Dalle de marbre x1. J'ai pris du marbre, moi j'ai pas pris une dalle de marbre, je pense. Voilà. Ça marchera peut-être mieux comme ça en fait. Voilà. Et le 6 pour les tuyaux. Nickel. Toi je te veux. Et parce qu'on va lancer des fourrures là. Il faut des fourrures machin là. Donc on va te mettre... c'est pas très logique ce que je vais faire, mais voilà. Tac, et on veut de ça. C'est parti. Cheval. Hop. Allez. Émilie, c'est trop tard. Ah bah elle est là. Ok. Commission, bah c'est mort. À moins que ce soit... On est samedi ici, c'est les échanges. Enfin, c'est les... les inspections, pardon. Les inspections, c'est important de le faire pour gagner des pierres de pouvoir concentrées. Alors. Ici, forcément. Ici. Et ici. Voilà, il y avait 4 comparatifs à faire quand même. Ça devient tendu un peu. Ça m'a l'air identique. Non, là il y a un problème. Voilà. Bah forcément ici. Ah, ici. Ici. Putain, c'est par 4 maintenant les comparatifs sont... Waouh. Ça devient... ça devient tendu. Alors celui-là, est-ce que je vais le trouver? Parce que plus il y en a, plus ça se complique. Hein. Lui, je vois pas là pour l'instant. Là, ça m'a l'air bon. Et peut-être, je pensais qu'il y avait un problème de couleur, mais... ah, ici. Nickel. Non, toi, je veux pas te parler. Voilà. Alors on a ici. Ici.
griffes, ça a l'air bon. Là. Et ici. Ok, ça c'est fait. Wow, ça aurait été un peu long, mais c'est fait. Après, on va faire les fléchettes. Après, bah, on va retourner taper des mobs. Hein. Il me faut encore des cuirs. J'ai pas le choix. Il m'en faut plein encore. Nickel. Nickel. Ça c'est bon. Est-ce que j'y vais à pattes? Je vais déjà essayer de revendre quelques items que je commence à accumuler là depuis le début de l'épisode. Alors, j'ai à revendre. Je vais à revendre ça. Ça, bien sûr. J'ai pas été acheter mes graines. Oh là 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 là. J'ai ça à revendre. J'ai celui-là. J'ai ça. J'ai ça. Je regarde s'il n'y a pas des trucs tout près qui m'intéresseraient. Je vais acheter des pierres comme ça. Je vais pas m'embêter. Pour restock cette truc-là. Donc les trucs à tuer, j'irai plus tard. Il faut que j'achète mes graines vu que j'ai les puces sur moi. C'était à l'église. Et que je plante tout ça parce que après, bah, faut le temps que ça pousse. Je pense pas que les pigments, on puisse les acheter. Alors. C'est par 5. Commencer avec ça. Hop, allez. Ça, c'est complètement abusé, les sauts qu'on fait. Ça m'éclate. Donc, toi tu restes là. Alors, on va faire carré de culture. Il me faut bien sûr ça. Et... Ah ouais, c'est des grands. Alors, on va planter ça au milieu. Hein. Ah oui, j'ai pas fait semblant en fait. On va déjà commencer avec ça. Ensuite, il me faut les graines. Alors, semer. Super! Alors là, c'est génial. J'ai fait ça pour... Enfin, j'ai acheté ça pour rien pour l'instant. Il me faut de l'engrais. Alors... De l'engrais. Appliquer engrais. 7 jours pour que ça pousse. Ils sont sérieux. Donc faut que je crafte des petits. Des petits. Alors, est-ce que ça se fait ici, ça? J'en ai aucune idée. Non. Petite caisse à cultiver. Petite caisse à cultiver. Du coup... Non mais petite caisse à cultiver. J'ai pas mis les bonnes. Ça doit être celle-là. Voilà. Excusez-moi. On voit pas ce que je fais.
Ok. Alors, on reprend nos graines. On sème. On sème. Ok. Bon, je vais faire du rangement parce que là, c'est le beans. Je vais récupérer les grandes machins, ça sert à rien de les garder. Voilà. Allez, on retourne à tous nos coffres. Donc là, les cornes. Ça, ça va venir ici avec ça. Ça, c'est quoi ça? Du gingembre. Poisson coché. J'ai des trucs, je sais même pas à quoi ça peut correspondre. Alors, ça, ça. Alors, ensuite, on a ça. Ça, les œufs. Ça. La viande comme ça, ça doit aller ailleurs. Le gingembre. Les petites fioles comme ça. Je vais mettre le cactus là. Ça, c'est encore autre chose. Faut ranger tout ça, là. Voilà, le poisson, là, c'est pareil. Je sais pas comment faire. J'ai ça qui va là. Ça, c'est quoi? Chapeau de coq de pin. Alors. Là, j'ai pas de place, forcément. J'ai ça qui vient ici. Le chapeau, je sais pas où ça va. Ensuite, tac, j'ai ça aussi, j'ai les trucs de soins, ça faudra que je leur vende. Alors, on a ça qui vient là, ça, ça, les puces. Les tuyaux. Alors, les loulous, on va relancer de ça, ici. Après, donc là c'est en train de se faire, hein. Je vais relancer. Voilà. Ici, bah je peux pas faire grand chose de plus. Je peux pas en lancer. Il faudrait que j'aille tuer des bestioles. Toi, arrête de bouger, s'il te plaît. Voilà. Il est 16h. Petite sacoche. Est-ce que je peux commencer à en faire une? Je peux en faire une. Et il me manque 3 cuirs de qualité pour la deuxième. Donc bah on va aller retaper des mobs. Hein. Il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est reparti. C'est quoi ça? Ouais, c'est le truc des montgolfières. Allez. Surtout que des cuirs de qualité, on a vu qu'il nous en faudrait plein. Il nous en faut pour notre commission, mais il nous en faut aussi pour... pour la quête des montgolfières. Voilà. C'est vrai qu'on peut trouver des petits cristaux ici. Il faut en profiter dès qu'on en croise. Il faut les récupérer. Je vais passer de l'autre côté là, voir. Il n'y a rien. Allez, cours, petit homme.
Voilà, vous voyez, celui-là m'en a pas donné de fourrure de qualité. Là non plus. C'est ça qui est emmerdant en fait, c'est que non seulement faut farmer les mobs, mais ils donnent pas tous les coups. Et là, ils donnent pas beaucoup en plus, hein. Allez, toi je t'ai vu. Sois gentil avec moi. Ok. Là. En termes de bois, je suis pas trop mal. Un peu sans ça me fait un peu de résine hein, donc c'est important. Ok, il est 21h déjà. Waouh. Corps du gingembre. C'est ici qu'on trouve le gingembre. Ok. Allez voir là-haut, ça dure pop, ouais. On va faire jusqu'à épuisement encore une fois, hein, les loulous, de toute façon. À moins que j'épuise le stock de mobs bleus et que je puisse rentrer. Il y en a 3 là-bas encore. Ok, ça repop derrière moi. J'en ai, sur les 4 que j'ai tués, j'ai pas eu de fourrure. Hein. Là, 5. Ouais, laisse tomber. Bon, allez, on va rentrer. Ça a le don un peu de m'énerver légèrement, là, en fait. De pas que ça pop pas. Entre tout ce que j'ai tué, j'ai eu 14 fourrures, quoi. C'est... Enfin, c'est... C'est abusé. C'est abusé. Est-ce que je peux prendre à cette heure-ci le... Yes. Allez. On rentre. Je vais lancer les crafts. Avec ce que j'ai pu avoir. Et puis bah voilà. Hein. On pourra pas faire mieux. Je vais relancer mes fournaises. Alors ça, je relance aussi. Voilà. Hop. Fabriquer 3. Carburant épuisé, c'est pas grave. Voilà. On va relancer tout ça. Fabriquer. Ok. Ici on va refaire. Ah, j'ai plus de charbon. Donnez-moi du charbon. Ok. Parfait. Ah, j'ai plus de minerai de fer.
Mince. Eh ben, il va falloir farmer du minerai de fer, les loulous. Du coup, en attendant, qu'est-ce que je pourrais faire? Du plomb, tiens. Voilà. Et puis, bah, ici, 57 minutes. Tiens, ici, j'ai fini. Voilà. Ici. Plaque d'acier, je peux plus. J'ai plus de fer. Des planches en fer bois. Des plaques d'alu. Que 4. Ah oui, à cause de l'aluminium. Je vais garder cette machine sous la main. 38 minutes. Parce que là, je pense que je vais relancer quelque chose sur cette machine. Peut-être de l'étain. Voyons voir un peu mes quantités de lingots. Ouais, de l'étain. Barre d'acier au manganèse. Ou je fais du verre. Ouais, tout simplement. Ouais, on va faire du verre. Quand il sera terminé, celui-là. Toi, on va te remettre dans ton box. Voilà. Il ne bouge pas. Toi, je te ramasse. Là, est-ce que je peux en lancer un pour la nuit? Oui. Ok. Toi, il n'y a rien de prêt. Allez, allez, on pousse. Voilà. Et on relance du verre. Le verre, ça me paraît bien. Du coup, les loulous, ben, on va se laisser là. Beaucoup de farming encore en prévision. Moi, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !